Dominique Jamais est tête de liste de Debout la République aux élections européennes. Pour lui, le scrutin du 25 mai se résume à un choix très simple, devenir un État fédéré ou conserver ses prérogatives d'État-nation. Pour le vice-président du parti dirigé par Nicolas Dupont-Aignan, la réponse ne fait aucun doute au regard de son programme. Renégocier les traités qui ont privé progressivement la France de la maîtrise de son budget, de la maîtrise de sa monnaie, de la maîtrise de ses lois et de la maîtrise de ses frontières. Un discours aux accents anti-européens proche de celui tenu par le Front National. Pourtant, Dominique Jamais l'assure, si le parti de Marine Le Pen forme un groupe parlementaire, il ne le rejoindra pas. Que ce soit avec Alternative für Deutschland, parti récemment né en Allemagne, que ce soit avec le parti danois, que ce soit avec l'UKIP, avec éventuellement des mouvements grecs avec qui nous entendons, ou finlandais, nous espérons pouvoir constituer un groupe qui ne sera pas le même que celui qui se réalisera autour du Front National. Prendre ses distances avec le FN et prendre de la hauteur dans le ciel yvelinois, voilà les moyens de Debout la République pour s'affirmer aux élections européennes. En 2009, le parti avait réalisé 2,44% des suffrages en Île-de-France.